je crois que vous ne devriez pas être. Par contre, ça me consomme mes 10 packs. Pas cool. Vous avez l'intention de me faire partir? Partir? Vous croyez que je vais vous laisser sortir d'ici? Anneliese vous virerait de la planète pour ce que vous avez fait ici. Putain, si seulement je pouvais skip. Vous savez ce qu'on fait aux tueurs de flics sur ma planète? Vos hommes sont véreux, sergent. Vous n'êtes pas en service et la corruption est illégale. Si vous voulez de l'action, vous allez être servi. Ça, c'est parlé. On va voir si vous arrivez à marcher avec les jambes en miettes. Ah. En position de... Ok, ma grenade, elle est partie dans le mur. Celui-là, il est mort. Il en reste un en bas, les petits loups. Et pour une fois, vous êtes pas morts tous les trois. Bah, c'est bien. Non, l'autre. Putain, à chaque fois, je me trompe de sens. Occupez-le. Il est où ? Il est là. Allez, je vous regarde faire. Mais c'est pas vrai, on a réussi. Ok, GG les gars. C'est pas grâce à moi. Hein. Putain. Ok, je viens de gâcher une grenade, c'est pas grave. Ne vous fiez pas à cette façade. Tout ici n'est que tromperie et mensonge. Ici, les corporations recrutent leur propre service de sécurité. C'est beaucoup plus facile de violer la loi comme ça. Ok, bon, bah les petits loups, on a terminé. Oh là, comme j'ai galéré, mon gars! Jamais redescendre la difficulté, ça va pas. Ouais, on est déjà venu ici. C'est bon, on a tout fouillé, les gars, on peut se barrer. Par contre, à mon avis, il y en a d'autres qui vont nous attendre. J'entends plus de voix. On s'y est repris à 5 fois quoi. 5 ou 6. Je sais pas, mais bon. Garus, à chaque fois, il se faisait one shot dès le départ. Ouais, t'as mal à la nuque. Moi aussi, j'ai mal à la nuque, Lyra. Commandant, on raconte qu'il y a eu du grabuge dans les bureaux de Synthetic Insights. Êtes-vous au courant de quelque chose? Bien sûr que non. Pourquoi je devrais? Ne vous moquez pas de moi, Shepard. Retrouvez-moi à l'hôtel pour prendre un verre avant de parler à Keen. Je vous attends là-bas. Elle m'a pas cru, la dame. Y a plus. Ah si, c'est bon, le grabuge est revenu. Le brouhaha d'origine est revenu. Alors ? Un massacre a été commis dans les bureaux de Synthetic Insights. Me demande qui a bien pu faire ça. Je sais pas. Le sergent Stirling a été tué. Quand on tiendra le responsable, on se relaiera pour le garder. Vous avez intérêt à filer droit avec l'administrateur. Sinon, vous risquez de finir comme Laurie Keane. Il n'y avait pas l'option qu'est-ce que ça peut te foutre. Non, effectivement, sinon, ça aurait été sympa. J'ai entendu dire que certains des gars étaient en train de fouiller Synthetic Insight. Le capitaine Matsuo n'a jamais demandé ça. Mon sergent a été tué dans les bureaux de SI. Je ne sais pas trop quoi penser. C'était une vraie brute.
Certains des gars font des petits boulots pour l'administrateur. Moi, je suis les ordres du capitaine Matsuo, c'est tout. Vous savez de quoi j'ai envie, là ? D'un beignet. Ok, t'es reparti sur ton truc d'origine. Je devais pas monter par là, je devais monter de l'autre côté. Pour aller prendre un petit café avec la dame qui va me mettre une fessée. Tu sors à peine du bureau, tout le monde est au courant qu'elle est morte. Ouais, surtout que les corps se sont miraculeusement évaporés. Logiquement, il n'y a pas de traces, quoi. Personne n'est censé pouvoir le savoir. J'ai pas pu tâcher ta moquette, il n'y en avait pas, monsieur. Déjà, je sais que là-dessus, je vais pas me faire engueuler. Alors, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut que je lui parle avant de parler à Laurie Kinn, donc on va voir ce qu'elle a à proposer. Je me présente une deuxième fois, Parasini des affaires internes de Noveria. Que fait un agent des affaires internes ici ? Le directoire Sekanolei s'est corrompu. Ça fait 6 mois que je suis ici en sous-marin. Je voudrais que vous persuadiez Kinn de témoigner devant le directoire. Avec son témoignage, cette planète pourrait sortir du marasme. Vous travaillez pour Anoleis. Il n'a pas des fichiers compromettants sur son ordinateur. C'est un escroc. Mais il n'est pas stupide. Vous croyez que je vais trouver un fichier du genre Sherlock, aujourd'hui j'ai détourné 3 millions de crédits ? Les dossiers et le témoignage de Kinn me suffiraient pour prouver à coup sûr la culpabilité d'Anoleis. Je croyais que la corruption était une institution sur Noveria. La règle ici, c'est de ne pas faire de vagues. L'intérêt personnel est toléré tant qu'il n'entre pas en conflit avec les affaires. Or, Anoleis fait fuir les clients. Pourquoi vous n'allez pas voir Kinn directement ? Je suis la secrétaire d'Anoleis. Vous croyez qu'il me ferait confiance ? Qu'il me rencontrerait dans une allée sombre avec ses preuves ? J'ai besoin du pass de Kinn pour accéder au garage et poursuivre ma mission. Si vous m'aidez, vous aurez tout ce que vous voulez. Échange de bons procédés. Anoleis est véreux, aucun doute. On devrait peut-être aider Parasini. Écoutez, Shepard, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Les spectres agissent vite et contournent la loi. Ce n'est pas bon pour les affaires. Kinn me propose de l'argent, et vous ? Je peux vous fournir une copie du pass d'Anoleis. Mais je ne peux pas effectuer de gros transferts d'argent sans me faire remarquer. La thune ou la justice ? La thune ou la justice ? Très bien. Je vais parler à Kinn pour essayer de le convaincre. Merci. Vous savez où je travaille. Venez me voir quand vous saurez s'il accepte de coopérer. On va viser la thune. Non, je rigole. On va viser la justice. Mais du coup, on peut peut-être avoir la justice et la thune. Des nouvelles au sujet de notre petite affaire. J'ai fait le boulot, mais un agent des affaires internes m'a contacté. Elle veut que vous témoigniez contre Anoleis. Maintenant que vous avez ce qui m'appartient, vous voulez me dire comment m'en servir ? Je ne tiens pas à me donner en public. Ça valait le coup d'essayer. Mais puisque vous ne voulez pas, prenez les preuves. J'apprécie votre discrétion. J'ai été négligent. À l'avenir, j'essaierai d'éviter ce genre de problème. Je crois que vous vouliez un pass pour le garage. Et je vous remets également la somme de 500 crédits. Cela vous semble-t-il correct ? Plus ou moins. Enfin, ça suffira. Merci pour votre aide.
Attends, j'ai buté 10 personnes pour 500 crédits, quoi. Bien. J'ai quelques coups de fil à passer. À commencer par Monsieur Anoleis. Je suis dégoûté. Mes bureaux rouvriront très bientôt. En attendant, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Auriez-vous vu une matriarche à Sari récemment? Ça, elle n'est pas passée inaperçue. Ce n'est pas tous les jours qu'une matriarche passe ici escortée par tout un commando. C'est si inhabituel de voir une matriarche? Elle quitte rarement l'espace territorial à Sari. C'est surprenant de voir un personnage aussi important ici. Dame Benezia était apparemment vêtue de façon officielle. Or, une Asari en costume rayé ne laisse pas de marbre les jeunes employés masculins. Oui, les jeunes mâles éprouvent une attirance malsaine envers mon espèce. Un commando armé a eu le droit de passer. Armé ou non, je ne sais pas. De toute façon, on ne peut pas confisquer des pouvoirs biotiques. Sa reine, et par extension Benezia, est quelqu'un de puissant. J'entends par là que son poids économique lui octroie certains privilèges. Vous savez ce que Benezia fait ici? Elle a dit être mandatée par sa reine pour remettre un projet à flot. Je pense qu'elle voulait parler du pic numéro 15. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Me retenir? Les humains considèrent donc la conversation comme une forme d'emprisonnement? Voilà qui explique pourquoi si peu d'entre eux sont ouverts à la discussion. T'as pas idée, mon gars, t'as pas idée. Bon. Du coup, on a eu l'argent et pas la justice. Je suis un peu dégoûtée. Parce que j'avais pas le niveau en conciliation ou en pragmatisme qu'il aurait fallu avoir. Putain, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. L'accès au garage nécessite une autorisation. J'ai une autorisation, excusez-moi. Oui, tout est en règle. Faites attention sur la route. Le temps est exécrable dans la vallée d'Alutsk. Ok, d'accord. C'est sûrement ce qu'il y avait dans les conteneurs de la matriarche. Mais tu vas le sortir, ton flingue? Tu étais vraiment obligé de le ramener vers nous? Passer par-dessus ça. Hop. C'est tout? C'est tout ce qu'on a? Vous êtes qui tous là? Que faisiez-vous ici, commandant? Les guettes nous ont tendu un piège, nous avons riposté, c'est tout. Des guettes? Vous croyez que... D'où viennent-ils? Ma main a coupé qu'ils étaient dans les conteneurs que la matriarche a apportés avec elle. J'en doute. Ces conteneurs ont été scannés. Il n'y avait aucune source d'alimentation, aucune trace des eaux. Si les conteneurs de Benezia Sama étaient remplis de ces choses, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Il me faut des chiffres, capitaine. Une dizaine, une centaine? Plusieurs dizaines, au moins. Ce sont des machines faciles à transporter. Je dois faire un rapport au directoire.
Si les investisseurs apprennent qu'il y a des guettes ici, ils risquent de paniquer. Ah bah enfin ! Putain, si t'étais venu avant, j'aurais peut-être pas tué ta compagnonne, ta collègue, la blonde moche chiante qui se la pétait alors que... C'est pas elle qui m'a donné du fil à retordre, mais... Ces gentils petits snipers qui m'ont fait chier plus qu'elle, à vrai dire. Elle, en soi, on lui a bombardé la gueule et c'était fini. Mais c'est vrai que les snipers étaient beaucoup plus chiants à gérer. Oh, dis donc ! Un Mako ! Attendez, là. Attendez. Je veux descendre ! Voilà. Voilà. Oui. Il fait pas beau. Oui. Je sais pas comment on répare le véhicule, donc ça va être vite vu. Mais putain, je saute quoi. Ok. Eh ben les petits loups, on va peut-être rester sur cette petite Audrey Fight pour aujourd'hui.